Ce midi, ça va être tomates farcies avec du riz, super simple. Les tomates farcies sont maison et ça va être super bon, il fait super bon. C'est une bonne journée qui commence. On va discuter un petit peu après, je pense que je vais tester une recette de moccaccino, j'ai vraiment envie d'en refaire. Je me dis c'est l'été, j'ai envie de varier un petit peu mes cafés, j'ai envie de me faire des cafés frappés aussi, mais ça je vous en parlais déjà avant. Donc voilà, nous sommes mardi et c'est une bonne journée qui démarre après un week-end vraiment cosy, un peu particulier. Donc je repars avec de nouvelles émotions et un regain d'énergie et de créativité surtout. Mais je vous en parlerai un petit peu plus après. Je vous avais pas montré ce cadre que j'ai trouvé chez Noz et que je trouve vraiment magnifique. Il est vraiment super joli, il m'inspire beaucoup et en fait il est parfait pour la cuisine. J'aimerais bien l'accrocher quelque part, sauf que j'ai pas vraiment de place. J'ai toujours peur de l'abîmer en fait avec l'humidité quand je fais de la cuisine, etc. Ou je sais pas, mais c'est vrai qu'il a quand même sa place ici et il est super mignon. Voilà, je voulais juste vous en parler. J'ai pas mal de petits trucs à vous dire en fait. Ça me fait assez bizarre de revenir, refilmer, de refaire mon processus parce que je me suis fait vraiment en fait 2 jours off sans caméra du tout pour profiter juste de petits moments et ça m'a vraiment fait du bien en fait. Donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Dis Siri, arrête le minuteur. Thank you.
J'ai jamais fait l'introduction de vlog ici, mais on se croirait sous les tropiques en fait. Ça fait tellement du bien. Il fait bon, il fait chaud, donc déjà... Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne Cocooning et Slow, dans un épisode de Day in the Life. Vraiment cosy, cocooning, tout ce que j'aime. Parce que déjà, il fait beau, il fait chaud, et c'est clairement... un avant-goût de l'été, et ça fait du bien. J'ai toutes mes petites décos un peu partout. Je vais me faire un bon petit café chez Mex. Et j'ai une gamelle de marée juste là. Bref, tout n'est pas préparé. D'ailleurs, il a assez chaud en ce moment avec la chaleur. Je vais vous expliquer un petit peu comment je me sens en ce moment, mon état d'esprit, parce que je me suis fait un petit week-end reposant et assez slow. Et j'avais l'envie surtout... de couper la caméra en fait et de profiter de petits bonheurs tout simples. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais vous exposer tout ça, mais j'avais quand même envie de vous faire une introduction un peu différente à la maison, mais voilà, dans un petit coin super cosy. J'aime tellement ma terrasse, oula, je m'y sens tellement bien. Et je laisse place maintenant à la spontanéité et à ce que j'ai envie de partager en fait, tout simplement. Donc j'espère que vous allez m'entendre suffisamment bien parce que je suis à l'extérieur, j'ai branché mon micro externe, donc on verra bien. Donc voilà, on va passer ces petits moments cosy, cocooning à la maison ensemble. Ça me fait toujours plaisir que vous soyez là. Vous entendez Marley qui est en train de jouer et les travaux tout autour, mais c'est le charme du direct, j'ai envie de dire, donc c'est parti. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down. Until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me higher. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you saved me. Il y a vachement de bruit en ce moment. Il y a des travaux juste derrière la résidence et à côté là-bas. Derrière la petite forêt en fait, mais c'est assez bruyant. D'habitude c'est hyper calme, mais ça fait quand même du bien de chiller, de profiter. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le micro, parce que le micro est là en fait. Le micro est juste là, et j'ai la petite fontaine, le bruit de l'eau comme ça qui ruisselle, ça fait du bizarre. Il fait chaud, Marley en fait juste là en train de dormir. Là. Et ça fait vraiment du bien. C'est les petits après-midi cosy que je m'accorde. Des petits moments comme ça où je reste vraiment en toute tranquillité à l'extérieur. Je profite de ces petits bonheurs en fait, vraiment. Des fois je les garde pour moi, je les partage pas. Mais ça fait beaucoup de bien, c'est hyper relaxant. Des petites choses qui vraiment vous détendent. Et en même temps que je dis ça, je vois une tonne de poils de Marley autour de... voilà, sur la terrasse. J'ai intérêt à l'aspirer. Qui me regarde avec sa tête de chien battu, j'adore. My eyes were closed. Now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else.
take me. No one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me Je pense que ça va être... C'est le bruit du micro. Ça va être plus un day in the life, daily vlog, parce que j'ai pas filmé tant que ça de choses. J'avais surtout envie de partager un peu de douceur, de cocooning, en fait, comme toujours, vous allez me dire. Mais
en ce moment, je sais pas, j'ai eu une envie de profiter un petit peu plus de moments de vie et de les garder un peu plus pour moi. Je saurais même pas vous expliquer, en fait c'est venu de façon assez subite et dans le week-end je me suis dit, j'ai ressenti en fait comme une impression de fatigue émotionnelle, psychique, et vous savez que je suis hyper inspiré, influencé par mes émotions, et en fait ce week-end j'ai ressenti comme un tourbillon d'émotions un petit peu particulières et j'ai eu l'envie vraiment de prendre du temps, du recul, parce que j'étais en fait un peu déçu de la dernière vidéo que j'avais faite, le Day in the Life précédent, et au montage j'étais pas forcément inspiré, je sentais que j'avais pas la motivation en fait et que je me forçais, et j'ai jamais été comme ça, et je me suis fait un peu peur parce que je me disais non, je veux pas poster une vidéo pour poster une vidéo, et là je me rendais compte que j'avais un rythme en fait qui était quand même assez costaud et j'avais l'impression d'être accaparé par la caméra, par mes émotions, par ma créativité qui commençait un peu à s'essouffler, et ça m'a fait un petit peu peur, et c'est pour ça que j'ai vraiment coupé ce week-end, sauf samedi quand je vous ai proposé la vidéo autour du café, où là je sais pas ce qui m'a pris en fait, j'ai cogité toute la nuit vendredi soir, toute la soirée, et samedi je me suis réveillé en ayant un tas d'idées, j'avais envie de vous proposer cette vidéo, quelque chose de slow, de ralenti, vraiment silencieux en fait, et c'est là que je me suis rendu compte que ça me manquait de vous proposer des vlogs silencieux, et que j'essaye en fait inconsciemment de faire plaisir à tout le monde avec des vlogs où je parle, des vlogs silencieux, et en fait j'ai un mal fou moi à savoir vraiment ce que je veux, donc je me suis dit stop. J'ai fait cette vidéo, je la trouvais géniale, je me suis éclaté au montage, ça m'a fait du bien. Et ensuite, voilà, juste après dans l'après-midi, j'ai complètement laissé tomber la caméra. Dimanche, c'est pareil, j'en ai profité pour regarder en fait Ugly Betty. Je me suis tapé les 3 saisons pratiquement dans la journée pour faire la pâtisserie, des petits instants café, des petits moments cocooning à moi, des masques, des soins, enfin vraiment des petites balades aussi, des moments que j'avais pas forcément envie de vivre à travers l'objectif, si vous voulez, parce que c'est vrai que je passe mon temps à filmer et c'est un hobby créatif et ça me passionne, et c'est pas du tout une impression de « oh, j'ai plus envie de le faire », etc. Absolument pas, j'adore ce que je fais au quotidien, mais plus une envie, peut-être inconsciemment, au bout d'un an et quelques, un an et demi pratiquement, de juste souffler pendant 2 jours en me disant « voilà, t'as le droit quand même de ne pas emmener ta caméra partout, de ne pas partager ce que tu pourrais faire d'intéressant, etc. » Et j'ai énormément dessiné, j'ai laissé place à ma créativité en fait qui était vraiment ralentie, j'ai dessiné un tas d'illustrations, j'ai écouté vos suggestions par rapport aux illustrations que je vais encadrer, donc ça y est, je pense que dans la semaine je prendrai le bon papier, le bon format pour enfin avoir les illustrations que j'ai créées et les mettre dans les cadres dans la chambre. Et tout ça a fait que je me suis senti bien mieux en fait dans le week-end. Et je me suis senti ressourcé parce que j'ai eu l'impression vraiment de faire une petite pause pendant 2 jours, et c'est pour ça que ce vlog est un petit peu plus entre guillemets light, même s'il y a toujours l'essence même de ma chaîne, c'est-à-dire Marley, du café, du cocooning, du positif, de la déco, tout ce qui fait en fait le charme de ma chaîne. Mais j'avais vraiment besoin de faire une petite pause et de souffler, de me ressourcer, de me dire allez, accorde-toi un petit peu de temps, ça te fait du bien, et de pas être pas me transformer en fait comme une sorte de robot, vous savez, à publier tel jour, faire ça, hop, enchaîner, enchaîner. J'ai envie vraiment de garder l'essence même de ma chaîne, c'est-à-dire de publier quand j'en ai envie, sans pression. Donc en fait, ne soyez pas étonnés quand vous ne voyez pas de vidéo pendant peut-être 3-4 jours, alors que vous avez l'habitude d'en avoir tous les 2 jours. Bah, soit c'est parce que je prends un peu de temps pour moi, soit c'est parce que j'ai pas le moral et vous savez que je me filme pas quand je suis pas en bonne forme psychique. Soit c'est juste parce que je veux m'accorder un peu plus de temps et profiter des vrais moments de vie en fait, pour me garder aussi des souvenirs. Je sais pas si ça va avoir du sens pour vous, mais c'est un petit peu mon leitmotiv en ce moment, et c'est ça qui me fait du bien en fait. Donc voilà, je reviens à un rythme un peu plus sain, j'ai envie de dire, parce que je veux pas me mettre de pression, ça reste vraiment une activité créative qui me fait énormément de bien, et j'ai besoin justement d'insuffler ma créativité, de m'exprimer sous plein de formes en fait, pour me sentir bien. Donc c'était ça mon état d'esprit ce week-end, et j'avais envie de vous en parler parce que ça fait partie de ma vie en fait, et de ma chaîne, et de mes émotions. Et au moment où je vous parle, Marley est dans une position mais improbable, je vais vous montrer ça.
Il me fait ça à chaque fois. Il dort dans cette position comme ça, mais carrément contre un mur, un lave-vaisselle, une machine à laver, enfin, peu importe. Il est concentré. De toute façon, il va pas dormir longtemps parce qu'on va faire une petite balade. Café. Je pense que ce soir je vais me mettre à dessiner encore et il faut que je vous montre en plus comment j'imprime mes illustrations. Pour le moment c'est un petit peu chaotique, j'ai une mini imprimante mais je vais vous montrer ça, et il faut que je prenne juste du papier photo, etc. Du bon papier photo pour ma grosse imprimante. Je suis curieux de voir ce que ça donne en fait, et je suis vraiment content en fait de me dire que je vais pouvoir mettre des illustrations que j'ai créées dans cette chambre, dans ce bureau. Ouais, ça fait un petit quelque chose en fait, c'est assez gratifiant, je suis vraiment satisfait, je suis très content. Vous allez me dire qu'est-ce que ça fout là, ça en fait, c'est, je la trouve vraiment super belle, c'est un petit renard Honey One qu'on avait pris chez Maxiso, et en fait ils ont des peluches tellement belles et elles étaient en promo. Il faut que je vous montre notre petit périple à Noz aussi, parce que j'ai trouvé pas mal de décorations chez Noz. D'ailleurs, ça devait être dans le précédent vlog. En fait, il était tellement long que j'avais pas pu vous caser toutes ces séquences. Donc, je vais vous mettre les séquences Noz et ce que j'ai trouvé, parce que vraiment, j'ai refait un petit peu de déco en plus. Et je suis vraiment très très content des petits items que j'ai trouvés, de la décoration, des petits cadres, des diffuseurs que j'ai trouvés également. Enfin, pas mal de petites choses. Et c'était ce jour-là vraiment assez impressionnant de voir la quantité d'articles de déco disponibles qui étaient vraiment de très bonne qualité, en plus à des tarifs mais vraiment incroyables, dégriffés, etc. Et c'était vraiment chouette. Donc je vais vous mettre les petites séquences et ce sera l'occasion justement de vous les partager, parce que bon, je me dis, je les ai quand même pas filmés pour en rien. Allez, on va faire un petit tour à 20 km de chez moi. J'ai envie d'aller juste à Noz et je vais vous emmener avec moi en fait, voir si on trouve quelque chose de sympa. Je suis tellement content avec les cadeaux que Gam m'a fait, ça me fait trop plaisir. C'est vrai que là je pars dans la foulée, donc je vais vous emmener avec moi si jamais on voit quelques petits trucs. On sait jamais, j'aime bien ce magasin parce que c'est pas cher et il y a pas mal de choix.
when it rains, let me keep parts of you. Hand in hand is how we sleep every night. J'en ai marre, il y a des promos partout. Mais on est tenté, c'est terrible. Ce truc-là que 30 euros, il est superbe. Aïe aïe aïe. Et j'étais trop content de vous emmener avec moi en plus. Je vais pas rester avec mon doudou, mais en fait, je me rends compte qu'il est tellement beau ici. Et Marley, si vous voulez, a tendance à déchiqueter en fait toutes ces peluches. Et je me dis que celle-ci, c'est vraiment trop bête. Ça fait pas du tout peluche pour chien en plus. Donc je vais la laisser là, je vais juste couper l'étiquette parce que effectivement c'est pas très très beau. Mais je vais la laisser là. En ce moment, c'est quand cheveux, minute cheveux. Vous allez me dire, il n'y a peut-être pas de forme. Et ben, j'adore que mes cheveux soient aussi longs. J'ai fait un soin à l'huile de ricin hier et à l'huile de coco aussi. Ça m'a fait un bien fou. Ça leur a fait surtout un bien fou. Et je suis vraiment très content d'avoir enfin grosse longueur. Vraiment, ça fait des mois que j'attends. Et même s'il n'y a pas vraiment de forme pour le moment, je m'en fous. Parce que le principal, c'est de se sentir bien, bien dans ses baskets, bien dans, dans sa peau, tout simplement. Donc voilà, je vais finir mon petit café, je vais essayer de vous montrer les impressions, les illustrations, etc. Et voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode de vlog. J'espère que vous avez apprécié de passer ce temps avec nous. Marley est en train de chercher des jouets dans son panier qui est dans le salon. Il m'en met partout, bref. Vous l'entendez faire pouet-pouet. J'étais content de partager cet épisode un peu spécial, un peu différent, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance, votre sympathie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et j'y répondrai avec plaisir comme toujours. Ouais, vous le voyez, juste là. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et on vous fait des bisous. Bye. Attends.